Et voilà, ça y est, on se retrouve pour notre silence en lit. Du coup, voilà, programme d'aujourd'hui. 1. On va découvrir la suite de notre histoire du loup. Et 2. On va lire le début d'Harry Potter, le premier chapitre. Il y a différents niveaux. Pour ceux qui veulent le lire en un peu résumé, c'est-à-dire avec moins de texte, bah pas de souci, je vous dirai comment faire, etc., etc. Et ceux qui veulent le lire en entier, bah, pas de souci aussi. Ok, nous étions donc arrêtés à... Allé en Égypte, voilà, il était allé au Kenya. Il avait fait un safari, voilà. Et du coup, il avait dit bonjour à tous les animaux. Et tous les animaux, du coup, se sont enfuis parce qu'ils avaient peur de lui. Voilà. Du coup, il était de nouveau tout seul, pauvre. Ok. Je vais vous montrer maintenant le texte. Essayez de trouver quel pays, si vous le connaissez déjà. Dans quel pays va-t-il? Dans quel pays il est? Et si vous trouvez encore quelques mots, peut-être. Quelques mots. Je pense qu'à force, vous devrez avoir l'habitude un peu de trouver des mots. Ok. Essayez de trouver un peu des mots là, peut-être, si vous trouvez aussi. Voilà. Bon, qu'est-ce qu'on avait comme mot? On avait Madagascar, qui est un pays à côté de, à droite de l'Afrique, qui est une île en fait. Ensuite, on a Farben, la couleur, Wasser, l'eau, Blumen, les fleurs, mais bon, on l'a pas trop vu ça. Fisch, le poisson, Fischer. Zwilfe, ça veut dire à l'aise. Et là, on avait le lémur, qui est d'un petit animal comme ça. Et voilà. Ok, on y va, c'est parti, on va découvrir la suite des aventures de notre ami le loup. Okay. Auf der Insel Madagascar, sur l'île Insel de Madagascar, Sa Wolf, Affenbrotbaume, c'est-à-dire des baobabs, pardon. Affenbrotbaume, voilà, qui est baobab, qui ont des énormes troncs. C'est les arbres qui ont les plus gros troncs, énormes, comme ça, vraiment, c'est pas exagéré, hein, voilà, vraiment plus grand. Dibis sous Himmel, hinaufrakten, du coup, qui est jusqu'au ciel, Himmel. Hinaufrakten, qui s'étendent, qui s'élèvent jusqu'au ciel, qui touchent le ciel, voilà. So wie Blumen in den Prachtvollsten Farben. Du coup, et il y a aussi des fleurs, des Blumen, qui ont des couleurs Farben, du coup, qui sont magnifiques. Prachtvollsten. Ok. Dor unter Wasser. Et sous l'eau, et maintenant il est passé sous l'eau, il allait visiter déjà l'île, il allait au baobab pour voir les fleurs qui étaient en haut. Voilà. Dor unter Wasser, da sah es noch viel schöner aus. C'était encore plus beau. Schöner, plus beau. Wolf schwamm inmitten den buntesten Fische. Du coup, inmitten, ça veut dire au milieu. Schwamm, c'est le verbe schwimmen qui veut dire nager. Il a nagé au milieu des poissons colorés. Et le loup, là, il a crié « Hilfe, zu Hilfe, schreie Wolf !» Du coup, le loup, il a crié « au secours !» Parce qu'il y a un requin qui a essayé de le manger. Voilà. Et là, am Strand, sur la plage, « schaute ein Lemur zu !» Regardez, le lémur, il regardait tout ça. « Keine Panik !» Langesicht, pas de panique, Langesicht, ça veut dire long visage, il l'appelle long visage. Okay. Lachte er in aus, du coup il rigole. Dieser Haifisch frisst dort nur Plankton. Du coup ce requin ne mange seulement des planctons, c'est-à-dire des microscopiques insectes. Voilà, du coup il n'a pas de soucis. Pas de soucis, il n'y avait pas de quoi avoir peur. Je vous lis juste, fermez les yeux, ensuite on fera Harry Potter, hein, bien sûr, mais fermez les yeux, essayez de comprendre ce que vous arrivez en allemand. Auf der Insel Madagascar, sa Wolf Affenbrotbaume, die bis zum Himmel hinauffragten, so wie Blumen in den prachtvollsten Farben. Doch unter Wasser, da sah es noch viel schöner aus.
Wolfram in mitten den buntesten Fischen. Hilfe, zu Hilfe, schreie Wolf. Am Strand schaute ein Lemur zu. Keine Panik, Langgesicht, lachte er ihn aus. Dieser Haifisch frisst doch nur Plankton. Et voilà. Il a été à Madagascar. Où ira-t-il ensuite? Eh ben, on saura ça demain. J'ai réussi à faire les vidéos, mais normalement, il n'y a pas de souci. Ok, je regarde, ça tourne bien. 5 minutes. On a 10 minutes de lecture d'Harry Potter. On va faire le premier chapitre. Vous êtes prêts? Enfin. Alors, je vous explique juste un peu. Hop. Voici l'ordinateur. Viens là, ordinateur. Hop là, et voilà. Bon, c'est pas génial, hein, mais bon, c'est mieux que rien. Vous avez du coup, sur Classroom, je vais vous mettre le texte. Vous avez plusieurs choix. Vous avez soit la version CE2, c'est la version qui est la plus courte, et du coup, un chapitre, ça fait une page. Voilà. Soit vous avez la version CM1, et là, un chapitre, ça fait 3-4 pages, je crois. Ouais, 2 pages. Voilà, 2 pages. Soit vous avez la vraie version, c'est celle que je vais vous lire là. Il n'y a pas de souci, on peut... Voilà. Du coup, qui est la version du livre en entier, voilà, qui fait 206 pages. Pas pour un chapitre, hein, mais voilà. Du coup, le premier chapitre fait à peu près 10 pages, je crois. Voilà. Alors, comment ça va se passer? Déjà, on va mettre de la musique. Ok, si ça marche. Test, test. Ok. J'aurais bien aimé qu'ils me le mettent là-bas. Voilà. Test, test. Je crois que j'ai peut-être plus de batterie là-dessus. Ok, je crois que j'ai plus de batterie. Zut. Bon, tant pis, on a la musique sur l'ordinateur, c'est pas grave du tout. Voilà. Stuck. Ok. Et du coup, je vais vous lire le début du premier chapitre avec la musique. Et vous allez lire la suite, du coup. Et on se retrouve tous, de toute façon, à... juste après, vous allez voir, il y a un moment, Dumbledore et McGonagall, ils parlent comme quoi il y a Hagrid qui va arriver. Et du coup, juste avant que Hagrid arrive, on se retrouve là. Elle regarda soudain sa cape comme si elle pensait que Harry était peut-être caché dessous. Ok? Et on y va, c'est parti, je vais vous lire le début, vous allez lire le milieu et je vous lis la fin. C'est parti. Alors. Donc, Harry Potter à l'école des sorciers, chapitre 1. Le survivant. Monsieur et Madame Dursley, qui habitaient au 4 Private Drive, avaient toujours affirmé avec la plus grande fierté qu'ils étaient parfaitement normaux, merci pour eux. Jamais quiconque n'aurait imaginé qu'ils puissent se trouver impliqués dans quoi que ce soit d'étrange ou mystérieux. Ils n'avaient pas de temps à perdre avec ces sornettes. Monsieur Dursley dirigeait la Grunnings, une entreprise qui fabriquait des perceuses. C'était un grand homme et massif. Il n'avait pratiquement pas de cou, mais possédait en revanche une moustache de belle taille. Madame Dursley, quant à elle, était blonde et mince. Elle disposait d'un cou 2 fois plus grand que la moyenne, ce qui lui était fort utile pour espionner ses voisins en regardant par-dessus les clôtures des jardins. Les Dursley avaient un petit garçon prénommé Dudley. Et c'était à leurs yeux le plus bel enfant du monde. Les Dursley avaient tout ce qu'ils voulaient. La seule chose qu'ils possédaient, c'était un secret dont ils craignaient plus que tout qu'on le découvre un jour. Si jamais quiconque venait à entendre parler des Potter, ils étaient convaincus qu'ils ne s'en remettraient pas. Madame Potter était la sœur de Madame Dursley, mais toutes deux ne s'étaient plus revues depuis des années. En fait, Madame Dursley faisait comme si elle était fille unique, comme si elle n'avait pas de sœur du coup, car sa sœur et son bon à rien de mari était aussi éloigné que possible de tout ce que faisait un Dursley. C'est-à-dire, il faisait des choses étranges et mystérieuses.
Les Dursley tremblaient d'épouvante à la pensée de ce que diraient les voisins si par malheur les Potter se montraient dans la rue. Ils savaient que les Potter, eux aussi, avaient un petit garçon, mais ils ne l'avaient jamais vu. Son existence constituait une raison supplémentaire de tenir les Potter à distance. Il n'était pas question que le petit Dudley se mette à fréquenter un enfant comme celui-là. Voilà. Je vais vous lire encore un tout petit peu. Et on s'arrêtera là. Lorsque monsieur et madame Dursley s'éveillèrent, au matin du mardi où commençait cette histoire, il faisait gris et triste, et rien dans le ciel nuageux ne laissait prévoir que des choses étranges et mystérieuses allaient bientôt se produire dans tout le pays. Monsieur Dursley fredonnait un air en nouant sa cravate la plus sinistre, c'est-à-dire la plus moche, pour aller travailler. Et madame Dursley racontait d'un ton badin les derniers potins du quartier en s'efforçant d'installer sur sa chaise le jeune Dudley qui braillait, qui criait de toute force de ses poumons. Aucun d'eux ne remarqua le gros hibou au plumage mordoré qui voleta devant la fenêtre. Voilà, je vais du coup m'arrêter là. Pour les enfants qui lisent la version CM1, je m'arrête donc à... Un homme apparu à l'angle de la rue, vous devez commencer à partir de là. Un homme apparu à l'angle de la rue, que le chat, etc. Voilà, pour les enfants qui lisent la version CM1. Et je vais vous lire la fin du coup dans 10 secondes. Juste avant que Hagrid arrive. Pendant ce temps, du coup, mettez la vidéo en pause et on se retrouve du coup pour la suite quand vous avez lu. Ok, on y va, c'est parti. On reprend la musique et je vous raconte la fin du chapitre. Alors, je baisse un petit peu le son et j'attends de pouvoir voir, voilà. Oui, bien sûr, vous avez raison, mais comment l'enfant va-t-il arriver jusqu'ici, Dumbledore? Elle regarda soudain sa cape, comme si elle pensait qu'Harry était peut-être caché dessous. C'est Hagrid qui doit l'amener, dit Dumbledore. Et vous croyez qu'il est sage de confier une tâche aussi importante à Hagrid ? Je confierai ma propre vie à Hagrid, assura Dumbledore. Je ne dis pas qu'il manque de cœur, répondit le professeur McGonagall avec réticence. Mais reconnaissez qu'il est passablement négligent, ça veut dire qu'il oublie des choses. Il a tendance à... Qu'est-ce que c'est que ça ? Un grondement sourd, broum broum, avait brisé le silence de la nuit. Le bruit augmenta d'intensité, tandis qu'il scrutait la rue des deux côtés pour essayer d'apercevoir la lueur d'un phare. Le grondement se transforma en pétarade au-dessus de leur tête, c'est-à-dire comme s'il y avait des pétards en fait. Ils levèrent alors les yeux et virent une énorme moto tomber du ciel et atterrir devant eux sur la route. La moto était énorme, mais ce n'était rien comparé à l'homme qui était assis dessus. Il était à peu près 2 fois plus grand que la moyenne et au moins 5 fois plus large. Il était même tellement grand qu'on avait peine à le croire. On aurait dit un sauvage, avec ses longs cheveux noirs en broussailles, sa barbe qui cachait presque entièrement son visage, ses mains de la taille d'un couvercle de poubelle et ses pieds chaussés de bottes en cuir qui avaient l'air de bébés dauphins. L'homme tenait un tas de couvertures dans ses immenses bras musculeux, c'est-à-dire musclés. Voilà. Hagrid, dit Dumbledore avec soulagement, vous voilà enfin. Où avez-vous décidé cette moto, dénicher cette moto ? L'ai empruntée, professeur Dumbledore. Monsieur, répondit le géant en descendant avec précaution de la moto. C'est le jeune Sirius Black qui me l'a prêtée. Ça y est, j'ai réussi à vous l'amener, monsieur. Vous n'avez pas eu de problème ? Non, monsieur. La maison était presque entièrement détruite, mais je me suis débrouillé pour sortir de là avant que les moldus commencent à piquer. Il s'est endormi quand on a survolé Bristol. Bristol, c'est une ville. Dumbledore et le professeur McGonagall se penchèrent sur le tas de couvertures. À l'intérieur, à peine visible, un bébé dormait profondément. Sous une touffe de cheveux d'un noir de jais, ils distinguèrent sur son front une étrange coupure en forme d'éclair.
C'est là que murmura le professeur McGonagall. Oui, répondit Dumbledore, il gardera cette cicatrice à tout jamais. Vous ne pourriez pas arranger ça, Dumbledore? Même si je le pouvais, je ne le ferais pas. Les cicatrices sont parfois utiles. Moi-même, j'en ai une au-dessus du genou gauche, qui représente le plan exact du métro de Londres. Donnez-le-moi, Hagrid, il est temps de faire ce qu'il faut. Dumbledore prit Harry dans ses bras et se tourna vers la maison des Dursley. Est-ce que je pourrais lui dire au revoir, monsieur? Demanda Hagrid. Il pencha sa grosse tête hirsute, c'est-à-dire plein de cheveux, vers Harry, et lui donna un baiser qui devenait singulièrement piquant et râpeux. Puis soudain, Hagrid laissa s'échapper un long hurlement de chien blessé. Du coup, il commence à pleurer. Chut! Siffla le professeur McGonagall. Vous allez réveiller les moldus. Désolé, sanglota Hagrid en sortant de sa poche un grand mouchoir à pois dans lequel il enfouit son visage. Mais je n'arrive pas à m'y faire. Lily et James qui meurent et ce pauvre Harry qui va aller vivre chez les moldus. Oui, je sais, c'est très triste. Mais ressaisissez-vous, Hagrid. Sinon, nous allons nous faire repérer, chuchota le professeur McGonagall en tapotant doucement le bras d'Hagrid, tandis que Dumbledore enjambait le muret du jardin et s'avançait vers l'entrée de la maison. Avec précaution, il déposa Harry devant la porte, sortit une lettre de sa cape, la glissa entre les couvertures, puis revint vers les deux autres. Pendant un long moment, tous trois restèrent immobiles côte à côte à contempler le petit tas de couvertures. Les épaules de Hagrid tremblèrent. Le professeur McGonagall battit des paupières avec frénésie, et la lueur qui brillait habituellement dans le regard de Dumbledore sembla s'éteindre. Eh bien voilà, fit enfin Dumbledore, il est inutile de rester. Autant rejoindre les autres pour faire la fête. Oui, dit Hagrid, d'une voix étouffée. Je vais aller rendre ma moto à Sirius. Bonne nuit, professeur McGonagall, bonne nuit, Dumbledore, monsieur. Essuyant d'un revers de la manche ses yeux ruisselants de larmes, Hagrid enfourcha la moto et mit le moteur en route. Dans un vrombissement, la moto s'éleva dans les airs et disparut dans la nuit. À bientôt, j'imagine, professeur McGonagall, dit Dumbledore avec un signe de la tête. Pour toute réponse, le professeur McGonagall se moucha. Dumbledore fit volte-face, ça veut dire qu'il se retourna, et s'éloigna dans la rue. Il s'arrêta au coin et reprit dans sa poche l'été noir d'argent. Il l'actionna une seule fois et une douzaine de boules lumineuses repartirent aussitôt en direction des réverbères. Privet Drive fut soudain baigné de lumière orangée et Dumbledore distingua la silhouette d'un chat tigré qui tournait l'angle de la rue. Il aperçut également un tas de couvertures devant la porte du numéro 4. Bonne chance, Harry, murmura-t-il. Il se retourna et disparut dans un bruissement de cape. Et la fin du chapitre, je vais vous la lire. Une brise agitait encore les haies bien taillées de Privet Drive, c'est-à-dire le vent. Les rues étaient propres et silencieuses sous le ciel d'encre. Jamais on n'aurait imaginé que des événements extraordinaires puissent se dérouler dans un tel endroit. Harry Potter se retourna sous ses couvertures sans se réveiller. Sa petite main se referma sur la lettre posé à côté de lui et il continua à dormir sans savoir qu'il était un être exceptionnel, sans savoir qu'il était déjà célèbre, sans savoir non plus que quelques heures plus tard, il serait réveillé par les cris de Madame Dursley qui ouvrirait la porte pour sortir les bouteilles de lait et que pendant des semaines, il serait piqué et pincé par son cousin Dudley. Il ne savait pas davantage qu'en ce moment même, des gens s'étaient rassemblés en secret dans tout le pays et ils levaient leurs verres, faisant la fête en murmurant à la santé de Harry Potter, le survivant, c'est-à-dire celui qui a échappé à la mort. Et voilà, j'espère que ça vous a plu. Demain, on se retrouve pour le chapitre 2, Une vitre disparaît, le roi de l'action. Voili, voilou. J'espère que ça vous a plu, ça fait bientôt 19 secondes, 19 minutes, c'est énorme, mais bon, voilà. J'espère que ça vous a plu. À demain, bonne soirée à tous, et reposez-vous bien.